Au Manitoba, la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail établit les règles applicables aux gestionnaires et aux employés en matière de prévention de blessures et de maladies en milieu de travail. La loi stipule que la responsabilité de la sécurité en milieu de travail est l'affaire de tous. Les employeurs et les travailleurs assument ainsi des responsabilités spécifiques en fonction de leur autorité dans le milieu du travail. Les nouveaux travailleurs, peu importe leur âge ou leur provenance, courent des risques plus élevés de subir des blessures. Les travailleurs sont 4 fois plus susceptibles de subir des blessures au cours de leur premier mois de travail qu'en tout autre temps. C'est la raison pour laquelle il est important que vous soyez au courant de vos droits et de vos responsabilités en tant que travailleur. Les travailleurs détiennent 4 droits importants associés à la sécurité et à l'hygiène au travail. Droit de connaître quels sont les dangers au travail et de savoir comment se protéger contre ces dangers. Le droit de participer aux activités sur l'hygiène et la sécurité au travail. Le droit de refuser de travailler si vous jugez qu'une situation présente un danger pour vous-même ou pour les autres. Le droit de vous protéger contre des mesures discriminatoires parce que vous avez exercé vos droits. Outre ces droits, vous assumez aussi d'importantes responsabilités. Au travail, vous assumez la responsabilité de vos actions. Cela inclut se conformer à tous les règlements et toutes les procédures sains et saufs au travail, utiliser l'équipement, les vêtements et les dispositifs de sécurité conformément aux procédures sains et saufs au travail que l'on vous a enseignées pendant la formation, collaborer avec le comité ou le représentant de la sécurité et de la santé en milieu de travail, avec vos collègues de travail ou toute autre personne en ce qui a trait aux questions de sécurité et de santé. Les employeurs assument aussi la responsabilité de protéger les travailleurs en situation de danger. Comme ce sont les employeurs qui détiennent le plus d'autorité en milieu de travail, ils assument davantage de responsabilités en matière de sécurité et de santé. La responsabilité de l'employeur inclut faire le possible pour assurer la sécurité du milieu de travail, de l'équipement, des outils et des systèmes, dispenser une orientation sur la sécurité et la santé aux nouveaux travailleurs et de la formation pour protéger les travailleurs en matière de sécurité et santé avant qu'ils n'entreprennent un nouveau travail. Mettre des informations sur la sécurité à la disposition des travailleurs. Cela inclut des informations sur les risques de danger et les procédures sains et saufs au travail afin d'éviter les blessures et les maladies professionnelles, s'assurer que les travailleurs soient adéquatement supervisés, collaborer avec le comité ou le représentant de la sécurité et de la santé en milieu de travail, ainsi que divers intervenants en ce qui a trait aux questions de sécurité et de santé en milieu de travail. Pour en apprendre davantage sur les droits et les responsabilités de sains et saufs au travail, visitez le site safemanitoba.com.